Salut à toutes et à tous au public de Génération Musique. Merci encore une fois de prendre date avec votre émission, l'émission phare de la musique sur Afrique Canada TV. Nous recevons aujourd'hui un artiste, on va dire, très talentueux, grand par la taille et puis aussi grand aussi par l'instrument, par le talent aussi. Donc son nom c'est Guy Bélanger. Alors bonjour Guy. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation pour Génération Musique. C'est un grand plaisir, c'est une belle invitation, merci. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour parler d'un événement, on va dire, majeur qui s'annonce pour très bientôt, déjà pour ce week-end. Oui. C'est exactement le vendredi 28. Vous serez sur cette même scène-là, ici même, oui, ici à l'Astral. Voilà, vous serez accompagné de pas mal d'artistes, notamment Kelly. Oui, Ian Kelly, il va avoir Bobby Bazzini, qui connaît un grand succès aussi, et un guitariste extraordinaire et un chanteur qui s'appelle Steve Hill. Il faut dire que vous faites votre retour ici sur la scène ici à Montréal pour deux spectacles majeurs. Ce sera déjà ce week-end, 28, et puis ce sera également le 19 novembre prochain. Oui, avec un autre retour avec Kim Richardson. Oui, là, j'ai décidé de faire en octobre le spectacle avec les gars et en novembre, le 19 novembre, avec les femmes. Donc, les femmes, ben, y a Nanette Workman, il y a la magnifique Kim Richardson et il y a France D'Amour, une grande chanteuse aussi. Donc, il faut que je vous explique tout ça, mes téléspectateurs, c'est que Guy Bélanger, c'est d'abord un instrumentiste, c'est-à-dire qu'il accompagne des grands noms, des grandes figures du blues, du jazz, aussi du rock, tout ça. Donc, ce sera l'occasion pour lui de se frotter à ces grands noms-là qui seront ici à Montréal. Alors, Guy, on va parler de ton parcours, on va parler également du spectacle à venir. Mais d'ici là, on va parler un peu de ta passion, de cette fougue-là, de comment est-ce que tu as réussi à manier l'harmonica, à devenir harmoniciste, comme on dit. Alors, j'ai du mal avec ce mot-là, mais j'essaie de m'adapter. Et comment est-ce que est venu ton amour pour l'harmonica? L'amour pour l'harmonica, ça fait 35 ans maintenant que je joue de l'harmonica. Ça a été une découverte. J'étais dessinateur, je voulais faire de la bande dessinée. Mais on m'a donné une harmonica quand j'étais jeune, puis je me suis mis à souffler là-dedans, puis à découvrir une passion. Moi, je dis souvent que c'est plus l'harmonica qui m'a choisi que moi, j'ai choisi l'harmonica. Ça a été une rencontre. Une belle rencontre, on a envie de dire. Et comment est-ce que l'harmonica fait pour choisir quelqu'un? Moi, il ne m'a pas encore choisi, moi. est très difficile. C'est tout petit comme instrument, ça a l'air très facile, mais c'est beaucoup, beaucoup de... Ça prend de la patience, ça prend beaucoup de discipline, puis beaucoup de patience aussi. L'harmonica n'est pas patiente. Elle ne te donne pas tout de suite ce qu'elle peut te donner. Il faut que tu travailles beaucoup parce que c'est tout petit. Et les possibilités se multiplient quand tu pratiques beaucoup avec l'instrument. Ça a été de fil en aiguille. Je suis natif de la ville de Québec. Alors, j'ai fait des petites scènes jusqu'à ce qu'un producteur de Montréal m'entende et avait besoin d'harmonica pour accompagner une de ses artistes. Alors, je suis venu à Montréal ici, j'ai fait des studios et on n'est pas beaucoup de joueurs d'harmonica. On n'est pas beaucoup d'harmonicistes. Alors, c'est de bouche à oreille, le message s'est passé. Alors, c'est ça. J'ai accumulé les studios, les heures de studio. Et quand on joue à ce type d'instrument-là, c'est quoi l'objectif premier? C'est de devenir quoi? Uniquement instrumentiste ou accompagner les artistes sur scène? C'est devenir compositeur? Quel est le but premier quand on décide de jouer à l'harmonica? La composition est venue beaucoup plus tard parce que j'ai fait un circuit de spectacle. Le circuit au Québec est assez grand. On peut jouer à tous les semaines dans des salles de spectacle, des cafés, des bistrots. Mais mon frère est cinéaste, Louis Bélanger, c'est un cinéaste qui a beaucoup de succès, et il m'a demandé de faire la trame sonore de son film en 2004, et un film qui s'appelait Gasbar Blues, et qui a connu une très belle carrière. Alors, j'ai composé la musique de son film avec un copain, Claude Fradette, et de fil en aiguille, j'ai, moi, accumulé du matériel original. Et c'est ce qui m'a donné le goût de faire mes propres compositions aussi, d'insérer dans mon répertoire mes propres compositions et de fil en aiguille, de monter mon propre spectacle. Ça date... En 2008, j'ai commencé à pousser mon propre matériel et la réponse a été...
Ça se voit que vous cumulez les deux, à la fois la composition des bandes sonores pour les films, ouais, et puis également l'accompagnement des grands noms du métier, du blues, du jazz sur la scène. Alors généralement, comment ça se déroule? Est-ce que vous qui choisissez les artistes que vous voulez accompagner, non, ou est-ce que c'est l'inverse? J'ai pas la prétention de choisir le monde encore avec qui j'ai le goût de travailler. C'est toujours des rencontres qui sont intéressantes, que ce soit avec Éric Lapointe ou avec Rock Voisine ou avec... et même quand il y avait des artistes européens comme Michel Fugain ou Sergi Lama venaient ici au Québec, ben, je les accompagnais pour différents pour des projets télé. Mais parce que je peux faire d'autres choses que le blues. Hein. Je fais du blues, je fais du jazz, je fais des ballades pop. Alors c'est comme ça que de fil en aiguille, on accumule les projets intéressants. On va replonger un peu petit à petit dans ce spectacle-là qui aura lieu déjà ce vendredi-là. Vous avez décidé de faire un spectacle uniquement pour les gars dans un premier temps. Mm-hmm. Et comment s'est opéré ce concept-là? Bien, c'est que sur mon dernier album qui s'appelle Crossroads, j'avais le goût d'inviter des différents chanteurs à m'accompagner sur l'album. Et j'ai décidé... après coup, parce que là, on vient de terminer la tournée de cet album-là, mais je voulais donner un dernier coup d'éclat à ce concept-là. Donc, j'ai invité des chanteurs à se joindre à moi. C'est des chanteurs musiciens à joindre à moi. C'est des noms qui sont très connus ici au Québec. Donc, j'ai concocté cette formule-là qui, pour moi, est une formule de fête. C'est la fête de la musique, c'est la fête de l'harmonica. Puis... c'est un élan de générosité qu'on a tous ensemble de monter un projet commun. Je ne sais pas comment va se terminer ce spectacle-là ce vendredi, mais je suis sûr que ça serait très trop long parce que vous serez omniprésent, à la fois avec Yann Kelly, avec Bobby Bazzini et puis Steve Hill. Voilà. Alors, comment ça va se dérouler concrètement? Ben, concrètement, on a fait les répétitions et tout s'imbrique très, très facilement. C'est une mise en scène qui est montée pour insérer les invités au fur et à mesure. Donc, c'est comme dans tous les c'est comme un gala, en fin de compte. C'est comme dans toutes les réunions. Chacun vient faire son numéro. Il s'intègre. On crée des rencontres sur scène. C'est des numéros qui sont montés. Et il y a un numéro final. C'est un vrai feu d'artifice. Pour que nos amis téléspectateurs comprennent exactement de quoi il s'agit de façon pratique, on va aller leur faire découvrir une vidéo de vous avec Kim Richardson. C'était à l'occasion du Festival des Jazz, vous vous souvenez de l'année? Oui, c'était en 2009, je crois, en juillet 2009 avec la magnifique Kim Richardson. Alors, on va aller suivre cette vidéo-là ensemble et puis je vous reviens tout à l'heure. You.
Retour ici au studio, on va dire de l'Astral, pour recevoir Guy Bélanger, continuer la conversation à lui après cette magnifique vidéo de lui qu'on vient de découvrir avec la non moins charmante Kim Richardson. Oui. Alors Guy, c'est une belle transition pour parler aussi des dames, parce voilà. Qu'exactement le 19 novembre, vous serez également sur cette même scène, cette fois-ci avec trois dames. Oui, voilà. Wow. Ici à l'Astral, on refait l'exercice, mais avec trois grandes dames de la chanson. Ici, Nanette Workman, la magnifique reine du soul Kim Richardson, et France d'amour, une grande compositrice qui a travaillé sur Notre-Dame de Paris, qui a présenté le spectacle en Europe. Et c'est des amis personnels, même les garçons, c'est des amis personnels aussi, mais les femmes, c'est... J'ai très hâte de commencer les répétitions. On se connaît depuis très longtemps. J'ai participé dernièrement à l'enregistrement du prochain album de Nanette Workman. Nanette qui a travaillé dans les années 60 avec les Rolling Stones. C'est une très, très grande chanteuse. Alors, on répète le même exercice, mais avec les femmes, avec des moments plus doux un peu aussi. Ça va me permettre de jouer de l'harmonica moins rock un peu, moins dur. Ça va être, on va y aller plus dans les balades, on va y aller dans la musique soul. Donc, c'est un grand plaisir, ça. Nous, on reviendra après le spectacle des hommes, on viendra s'acquérir avec vous pour savoir comment est-ce que ça s'est déroulé avec les femmes, si c'est une bonne ambiance, si c'est différent ou pas. Oui, c'est ça. on fera un pointage. Alors Guy, de fil à l'aiguille comme ça, on essaie de remonter un peu le fil de votre parcours, de se dire que ce n'est pas un métier qui est facile déjà. Et si vous avez un conseil à donner à la relève, à ceux qui veulent embrasser cet instrument que vous aimez beaucoup. Bien, pour ceux qui, vous avez eu un petit exemple avec le vidéo avec Kim Richardson au Festival de Jazz. Le conseil que je peux donner, c'est comme dans n'importe quel travail carrière que tu embrasses, c'est d'y aller avec discipline, avec intégrité aussi, puis avec beaucoup d'ouverture. C'est l'ouverture aux autres qui est importante. En musique ou dans n'importe quoi, c'est d'être ouvert au monde, d'être attentif aux autres, d'écouter. C'est pas toujours de se mettre en avant. L'harmonica est un instrument soliste, mais c'est aussi un instrument d'accompagnement. Puis il faut savoir écouter pour pouvoir bien jouer. Et comme disait Miles Davis, « less is more ». Moins que t'en fais, mieux c'est quelquefois. Et c'est un leitmotiv que moi, j'en ai fait ma prière à moi. Donc, pour tous ceux qui nous suivent des quatre coins du monde entier, parce qu'on est également suivi au niveau de l'Afrique avec notre télévision partenaire, alors c'est également l'occasion de dire que Guy Bélanger était déjà en Afrique, particulièrement au Maroc, mais pas encore au sud du Sahara, et puis c'est une promesse qu'il va tenir bientôt, c'est sûr. Alors, c'est quoi? Est-ce que ça existe, ce type de frontières, ces relations que vous tissez avec les artistes africains? Est-ce que vous avez songé à développer ça un peu? Moi, j'ai travaillé avec un groupe avec les frères Diouf, qui sont très connus ici, des percussionnistes magnifiques. J'ai travaillé aussi avec des musiciens noirs américains. J'ai travaillé avec... c'est quelque chose qui... La magie, je la sens. Très, très fort, avec des musiciens de reggae en Jamaïque. Et quand je vais en France, dans des festivals, je rencontre souvent des groupes africains. J'ai beaucoup d'amis aussi qui reviennent et qui me racontent des histoires magnifiques. C'est un souhait, un grand souhait que j'ai. Est-ce qu'il y a un type de musique que vous souhaitez ne pas accompagner? Ça vous arrive, non? Non, il n'y a pas de sotte musique, il y a seulement des musiciens qui sont sots, je pense. Il n'y a pas de musique, de mauvaise musique, il y a des mauvais musiciens peut-être, parce que la musique, il y a toujours de la magie, c'est une communion, hein? Et si ce n'est pas là, ça ne m'intéresse pas de me joindre à ces projets-là, mais c'est très très rare que ça m'est arrivé, mon Dieu. Je ne m'en rappelle pas parce que j'ai oublié ces mauvais souvenirs-là. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour rien qu'on dit que la musique est universelle parce qu'elle permet de parler tous les langages. Elle s'embrasse d'elle-même. C'est un brassage de culture. C'est aussi un brassage d'idées, d'esprit. Ouais. Et donc, vous baignez dans ce monde depuis bientôt 35 ans, il faut le dire. Ouais, ça fait long. Est-ce que vous songez souvent à la retraite? À la retraite, non. Mon harmonica n'a pas tout dit encore.
Elle est toute petite, mais elle est bien bavarde. Donc, on peut s'attendre à quoi vous voir pendant longtemps encore sur les différentes scènes ici. D'ici là, on pratiquement, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va dire merci à notre spectateur. Merci également à Guy Blanchet d'avoir répondu à cette invitation. Et puis, dire aussi que le rendez-vous est pris pour ce vendredi 28 octobre, ici même à l'Astral, pour suivre un spectacle avec les gars, notamment il y aura également Yann Kelly, et Bobby Bazini, Steve Hill. Et deuxième rendez-vous, c'est pour novembre, avec cette fois-ci des grandes dames de la chanson, oui. Avec Kim Richardson, avec Nevette, Nanette Walkman, et France D'Amour également, le 19 novembre cette fois-ci. Alors, merci infiniment, merci à vous, public, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre artiste. Merci. Thank you.